Paga pale hatuyasema
akashindwa maliza vita paske tuko na malia parisi wa ile vita pale hata mtasema je haya maliza vita na sababu tuko na kija na paka leo ndio kusema tuko na ile bono bono na bono nyingi anayokuja unaangalia kila siku paso kama na kufika mabishio ya kufika cha kufanyia ndio kusema tuendelee kusubiria na kuhusia kesho kesho yake vita inaweza kuisha asante sana. Donc on est allé sur une bonne lignée, on est allé sur une bonne avancée. On attend de lui de consolider tout ce qu'on a déjà acquis et de faire. À part activité, il y a une série d'activités qui seront programmées. Il y aura des activités sportives, il y aura des activités éducatives, il y aura plusieurs activités qui sont déjà programmées. Cette activité n'est que une activité pilote, un lancement de toutes nos activités. Ça, la route, c'est par rapport à cette activité, cette
quoi la valeur ajoutée? Volume. Et rien à part l'Angélis de la ville de Goma, du côté de notre voiture de nous espérons que nous venons de lui. D'accord, merci. Malipo na wapili ni Fatih Beto. Yes, mwishara kuma unajua hile? Unajua hile? Kwa mama lipo, na baba lipo. Kwa miwa organizateur ya hii marcha ya leo, mina furai sana kupresansi yenu. Mina furai tena, kuna ngizi mwana sotenue president wetu Fatih Beto. Na misi bambie muishi hapa. Muna hiwa siku ya vote. Tuendelee titu mchagule na siku ya ukua kuirne musisabu ule numero 20. Ndio nilitawa pigia aksanti, siye marsha yetu inaishia hapa. Na tunafurahi sana. Merci beaucoup. Kamemi tupigia wa organizatera hii marsha mikono. Imaginez ce sont des jeunes banaraini, ba athlètes beauté, les mannequins et nous les artistes pour que tu fasses une marche à soutien pour notre président Fatih Beto. Imaginez l'amour de la population. Après que Fatih Beto, Fatih Beto, pour la Teza Pilahaya, il est au tapas de son côté. Moi personnel, ça peut promettre aussi bien. DJ, tupigie kwanza kwa Fatih tucheze tu. Wakati baba alikufa, mama naye akakufa. 89000 francs ingepasha kuwa natuchuma wakati wazazi wote walikufa. Au-delà de ça, 89000 francs haikusufii pour ma besoin zetu. Gratuité nayo ikakuya. Balokuwa kwanza soma bure. Donc sikukuwa nalipa tena franga ya masomo kwa ajili ya ma petit frère.
fanga tulikuwa na pate kwa tusaidia kulipa nyumba na kunisomesha na kufanya mambo mengine sababu walikuwa wanasoma bure. Maana province yote tuko nyuma yake. Ale mukamate mzalimu pati 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 beto pati beto. Tuna wapigia asante sana. Lakini sikukuya mie peke. Nilipikuya pia na presida wa chama Jamariko pale Katokolio. Umupokee na vigelegele sana presida wa chama Jamariko Katokolio. Na hizi siku, hizi siku zuki la mtu na wake. Nilipia na me mama ya bana Yemei. Mama Kavira Anwarite ya ule nae mumupokee. Unawea hizi siku ni kila mtu na wake. Tuko na mtuma Fati, iko na pia na mama Denise. Benye bana salimia mama Denise na umpepe mama Denise naye na basalimia. Mama Denise iko na fika hapa na quelques jours. Ile ni kuonesha ya kwamba Goma Nord Kivu tuko tayari 3 millions de voix zote pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo numéro 20. Il sera élu le 20 décembre 2023. Mkutano yetu ya leo ni kusema muende mupashe habari mueleze kwa watu yote na hii katekisimu ya leo muipeleke mukila kijiji mukila seve kusema ya kwamba kandida wa Nord Kivu s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo numéro 20. Mungu awabariki hasa kwa uvumilivu wenu ndani ya mvua, kwa sababu mumekaa ndani ya mvua tangu nilifika mpaka sasa na hatukufika mbio, kwa sababu l'autre côté peut-être négatif ya kufanya mabalabala ni embouteillage. Embouteillage kutoka kwa aeroporo mpaka hapa tumefanya ine, parce que simplement peut-être on a commis une erreur, si pas la, le bonheur de construire de belles routes. Et quand on fait de belles routes, ça augmente le nombre de véhicules de circulation. Voilà pourquoi on est arrivé ici une heure après et madame la pluie s'est invitée. Mais malgré madame la pluie, vous avez résisté et cela démontre la suffisance que vous nous portez à cœur. Nous vous remercions très sincèrement d'avoir enduré Nani Mungu Mwenyewe Ataweza Kumbalipa. Rendez-vous le 20 décembre, tout le monde dans les urnes pour voter les candidats d'une province, Nashi et Kesho. Tuweze kujipiga kifua kusema kama Félix alipita ni juu ya Nord Kivu. Asante sana, Mungu awabariki sana. Goma pour Fati, c'est quoi au juste? Goma pour Fati, c'est un mouvement des jeunes qui ont décidé de battre en compagnie du chef de l'État. Les jeunes qui ont été toute la société. Les jeunes sportifs, les jeunes cadres, les jeunes étudiants, les jeunes de Goma ont décidé de battre en compagnie à l'élection du président afin de consolider les acquis. D'accord, et aujourd'hui nous sommes au niveau de l'entrée président. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? C'est déjà le lancement de votre mouvement ou c'est quoi? Voilà, c'est le lancement de notre programme de campagne. On lance la campagne, on peut battre et on va battre la campagne de l'économie. On a fait assez une série d'activités. Aujourd'hui, on a une marche. On va être en train de faire une autre stade de l'économie. Et dans les jours qui suivent, on aura des activités sportives, des activités éducatives. On a fait une série d'activités pour battre la campagne de l'économie. Pourquoi le choix de Félix Tshisekedi? Les jeunes n'ont pas assez de moyens. Avec quels moyens vous allez battre la campagne de Félix Tshisekedi? La force de nombre. Une seule personne a juste le nom à part. Et on s'est constitué, on a sorti la situation. Et ensemble, on s'est constitué, on a rassemblé les moyens, on perd les moyens pour l'organisation. Pourquoi le choix de Fati? Voilà, le choix de Fati parce que durant ces 5 dernières années, le pays a connu plusieurs avancées. Le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, le secteur de la paix, plusieurs secteurs ont beaucoup évolué. Et on ne peut pas, aussi, à la fin de ce mandat,
usagers qui nous disent que nous devons être actifs. On peut construire les actifs, on est allé sur le droit de et on peut construire avec le chef de l'État dans sa vision. Pourquoi les jeunes doivent voter facile? Les jeunes doivent voter facile parce que facile garde le sport, la jeunesse et la vie de l'Afrique. Nous sommes tous les gens de ce pays. Et on a accéléré l'État pour un bon État. Le pays est en train de se faire. Pourquoi les jeunes doivent prendre la décision? Le Congolais, tu connais Fatih. On va faire la réforme, mais encore.